Continuez, cliquez, cliquez la mif, on est dans le big show, on est dans le big show. On est dans le big show déjà en direct pour cet épisode 6, la mif, épisode très 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 spécial. Épisode très spécial. Je vous avoue qu'avant de commencer cet épisode, je vais vous expliquer la construction, comment ça s'est passé, pourquoi cet épisode, comment il a vu le jour. En fait, de base, on devait avoir un... Attendez, bougez pas, je règle les admins, je mets tout en admin. Hop, tac, 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 ajouter, hop, voilà. Carré. De base, les frérots, on devait avoir un invité, je pourrais pas vous dire son nom tout de suite, je pourrais pas vous dire qui c'est, il devait venir dimanche, il devait venir aujourd'hui. Et au dernier moment, ça a pas pu se faire, bon, c'est quelqu'un d'assez occupé, donc voilà, on lui pardonne, et j'ai dû choisir quelqu'un d'autre. Au moment où j'ai dû choisir quelqu'un d'autre, j'ai réfléchi comment ? J'ai réfléchi au début, quand j'ai commencé, qui c'est qui m'a inspiré, qui c'est qu'on entendait parler, qui c'est, tu vois, tout ça. Donc j'ai refait un peu les noms et j'ai pensé à l'invité de ce soir. Il est autant aimé que détesté, Frenchy Genetics. J'ai pensé au frérot, tu vois, tout simplement. Ça fait que je suis allé sur Instagram, je suis allé sur son petit Instagram, j'ai tapé son blaze, je lui ai envoyé un message. Et le frérot, il a répondu présent. Il m'a dit, écoute, moi, je serais chaud d'aller sur ton live. Et ça m'intéresserait de venir parler, de venir donner de mon expérience, donner de mon temps. C'est un mec qui a fait beaucoup de choses. Et voilà, donc de là, moi, je fais, ok, bah vas-y, lourd, je suis refait. Je me dis quoi ? Putain, pète sa mère. On a du lourd qui arrive, Frenchy Genetics, le retour. Il fait le retour pour nous, pour le Big Show. Je mets sur Insta et je reçois plein de messages mitigés. Écoutez, les frérots, moi, je vais vous dire un seul truc. Ici, on donne la parole à tout le monde. On est là pour débattre de... On est là pour débattre tout simplement sur autour du cannabis avec des personnes qui ont entre guillemets du savoir ou de l'expérience ou n'importe quoi. On n'est pas là pour faire la promotion de produits, de marques ou de quoi que ce soit. Ici, on n'a rien à vendre, il n'y aura jamais rien à vendre. Si de vous-même, vous faites les démarches d'aller voir, d'aller truc, machin, vous faites à votre responsabilité. Nous ici, c'est un débat, c'est pas un tribunal, c'est pas un machin. Donc voilà, tout simplement. Mais bon, vous me connaissez. Je sais que vous avez des questions à lui poser. Je sais que vous avez des questions à lui poser. Je le sais. Tu vois. Donc, restez bien. On va faire les interviews normales. On va faire la première partie, deuxième partie d'interview. Troisième partie, c'est les questions du public. Ce que je fais, c'est que vous posez vos questions dans la bonne humeur, dans le respect, toujours. C'est le principal. La MIF, vous pourrez donner toujours votre avis. Tout le monde a le droit à la parole. Les contradictions, on est les bienvenus. Sauf, on fait dans le respect. Vous posez vos questions, je les choisirai moi personnellement. On n'a pas étudié ça avant et Frenchy m'a promis qu'il répondrait à tout, qu'il nous ferait l'honneur de répondre à toutes les questions. La MIF, on va attendre le frérot, j'attends qu'il rejoigne. Mentionnez-le là un peu là. @, envoyez les @, là j'attends qu'il rejoigne. Et voilà, tout simplement, toujours dans le respect les frérots. Et encore une fois, sur le live... J'invite pas des gens qui sont forcément mes amis, mes collègues ou machin. Il y a des gens qui sont passés qui sont des gens que j'apprécie beaucoup. Il y a des gens qui vont passer que j'apprécie pas forcément, que j'ai pas forcément d'affinité avec eux. Et il y en aura. Et c'est le but. C'est l'impartialité, les frères. C'est d'être impartial. Mon but, c'est pas de faire la promotion de mes amis ou de mes machins. Mon but, c'est de faire en avant la communauté, de vous proposer des contenus toujours plus divertissants, des débats intéressants. Et voilà. Prochaine invité, les frérots. De la semaine prochaine, c'est Wikidry. Tu me diras si la connexion elle est potable. Là, je me suis mis dehors dans un petit café tranquille. Ouais, là, ça a l'air cool, ouais. Le chat, vous en pensez quoi? Normalement, ça a l'air tout bon, mon frérot. Comment tu vas? D'abord, première question avant tout ça. Comment tu vas, mon frérot? Ah, frérot, petit à petit, la forme. Dû à cette petite pause, là, ça va faire une petite année maintenant. Ouais. T'es où, là? Tu nous appelles? D'où là, t'es loin toi, non? Direct des States, mon ref. Qu'est-ce que tu fais toi là, frérot? Tu m'as dit quoi, mon ref? Excuse-moi. Quelle heure là chez toi? 11h du soir. 11h du matin. 11h du matin chez moi, il est 2h du matin, mais de la journée d'après, de lundi. C'est dans le futur. C'est une dinguerie, on est dans le futur, frérot. Ce que je fais, c'est que je te fais une présentation de l'émission, comment elle va se dérouler vite fait pour ceux qui nous rejoindraient pour la première fois ou quoi que ce soit. Et après, on attaque directement, frérot, si c'est bon pour toi. Let's go, mon ref. Allez, alors en première
Parti, on va faire le texte à trous. Donc, c'est un texte que je vais t'envoyer. Dedans, il y aura des trous. Tu auras juste à remplir par les mots que toi, tu veux utiliser. Donc, c'est tout simple, tout bête. Après, on aura une interview et si. C'est des mises en situation avec des si. Donc, si tu avais ça, si tu étais si, si tu étais ça. Tu nous dis ta situation, tu nous dis pourquoi, on rigole et voilà. Troisième Était mon partie, mon frérot, c'est les questions du public. Donc, le public qui vont poser leurs questions. Vous cliquerez ici, les frérots, sur la petite bulle. Vous poserez vos questions et on Frenchy tâchera d'y répondre. Tâchera d'y répondre tout simplement. Hein. Il n'y a pas à chercher plus loin. Et après, on sera sur le débat. Le débat, les frérots, aujourd'hui, ça sera l'avenir du 420 de manière générale. Ça veut dire comment on voit dans l'avenir le cannabis. Ça veut dire aussi bien l'évolution des produits, les méthodes de consommation, que les lois peut-être dans certains pays. Enfin, l'avenir du cannabis, quoi. Tout simplement, mon frérot. Est-ce que c'est bon pour toi? carré, mon frère. Eh ben, écoute frérot, normalement t'as le texte à trous. C'est comment? On commence sans. On commence démasqué ou. Tu veux directement te démasquer? Vous qui voyez, les frères. Eh, vous avez vu, moi, j'ai rien à me Allez. reprocher aujourd'hui. Allez, pour la diction, ça sera plus simple. On fait tomber le masque, t'as raison. Comme ça, on t'entendra mieux. Honnêtement, les frères, enchanté à tous. Putain, c'est une J'ai juste le simple. première, les frères. Il enlève le masque en direct du Big Show. J'ai juste C'est une première, les refs. parce que j'ai pas de feu, mais on est ensemble les On frères. t'entend mieux, on Salut à t'entend tous. bien mieux. On t'entend bien mieux. C'est Frenchy. Bah Bienvenue écoute, à tous bienvenue dans un frérot, Big bienvenue, Live bienvenue Geek à toi. Show. En direct. Putain, le face reveal dans le Big Show. Les commentaires qui cassent Écoute, ma vieille je tête te là. propose qu'on je te propose qu'on envoie ça, Let's qu'on go, se mon fasse ref. ce texte et voilà. Tu veux que je lise moi? Vas-y, vas-y, let's go. Alors bonjour à tous, je suis. Frenchy génétique. Ouais. Mais mes amis m'appellent aussi. Le Frenchy. Le Frenchie. Simple, Dans ma efficace. vie, j'aime. Dans ma vie, j'aime le H, wesh. Mais je déteste par-dessus Ah, tout. frère. Ces salopes. Ok. Je me suis fait connaître grâce à. Grâce à toutes mes créations hein, depuis le début, hein. Ouais. Tout ce que je fabrique, toutes les résines que je fais avec des différents agriculteurs indépendants, on postait ça au tout début, c'est comme ça que ça a commencé, c'est comme ça que bah, la famille s'est constituée. Et de fil en aiguille, frérot, on a fait une grande famille, voilà, la communauté Frenchy Familia. Ouais, carrément, carrément, je me rappelle. Mais ce que les gens ignorent, c'est que. Je fume pas de beuh, j'aime pas la beuh, je fume que du shit. Ah J'aime pas la beuh, frère. tu fumes pas du tout de fleurs. Pas du tout de fleurs. Ok, là. Putain, je savais pas ça. Je suis heureux de participer au Big Show avec le A, même si. Ça fait plus d'un an que j'ai pas fait de live. C'est vrai, ça fait un moment que t'es absent, frérot. Ça fait. En tout cas, voter pour. Votez pour. Ah, je suis pas trop politique, mon ref. Hein. Moi, je te cache pas. Je peux dire pour n'importe qui. Votez pour toi. Est-ce qu'on peut voir tes cheveux? J'ai 25 ans, je vais avoir une calvitie ici, je le sens. Je préfère pas enlever ma casquette. Vas-y, on finit sur la phrase de fin. Forceau Force au frérot qui me suit depuis le début. est Grosse. libéré. Libérer le stockage sur iPhone. Ouais, libéré stockage. Il n'y a plus de place. Ah, Plus de c'est place. le Ah, c'est le message le plus fou, mon frérot. Écoute, je te propose qu'on enchaîne directement sur l'interview ici. Je te mets des situations, tu me dis, et voilà. Donc, la première, c'est la classique que je pose à tout le monde. Si tu avais la capacité de voyager dans le temps, tu irais à quelle époque et pourquoi, frérot? Putain, ça c'est des questions Ouais, philosophes, mon ref. Hein. Ça c'est. carrément, mon ref. Ben, on est là, frérot, on passe, on a les fiches et tout, frère. Carrément dans le temps. Ah, frère. C'est des questions trop compliquées, frérot. Mon cerveau, il tourne pas là. Là, dans le temps, là, tiré où? Une époque? Tiré où? Un concert? Une finale de Coupe du Monde? Je fais n'importe quand. À l'époque du Bitcoin quand il était à Ouais. 0,2, ma gueule. C'est bon. Là, tu fais all-in. Là, je mets all-in. Tout ma gueule, je mets tout ce que j'ai, gros. Ok, maintenant, si tu pouvais avoir un super pouvoir, ça serait lequel et pourquoi aussi? À lire dans les pensées des gens, gros. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une génération, même pas, on vit dans un monde tellement faux, gros.
Et malheureusement, moi, je suis trop naïf. C'est-à-dire qu'on se fait vite berner, malheureusement. Tu vois, donc juste lire dans les pensées des gens, connaître leurs vraies intentions, frérot, parce que quand un mec qui te sourit en face, frérot, c'est pas forcément pour ton bien. Ouais, c'est sûr, surtout dans le milieu du business, quoi. Ah, frère, c'est ça qui m'a un peu dégoûté du milieu, je te cache pas, gros. C'est ça Ok. qui m'a énormément dégoûté du milieu, même. De toute façon, ça, on en parlera, je pense, un peu plus tard dans les quand il y aura les questions du public, dans tous les Les cas. frères, je vois pas les commentaires en vrai, il y en a tellement, et ça me fait tellement plaisir, vous imaginez même pas, Ouais, frère. frère. On est là, ils sont là, tout le monde est là, tout le monde est présent sur Big Show. On vous remercie vraiment à tous les viewers, on est 250. Ah C'est top, c'est top. 240 quand même, hein, ça fait plaisir, hein. Ouais, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Véro, si tu pouvais dire un mot, un seul mot, à toi de plus jeune, à ton toi de plus jeune, tu lui dirais quoi? Concentre-toi. Reste Concentre-toi. concentré. Reste Ouais. concentré, ma gueule. Je me suis trop dispersé, reste concentré. Ok. Si tu pouvais fumer un joint avec une personne, n'importe fictive, réelle, tu fumerais avec qui et pourquoi? Intéressant, ça, comme question. Si je pourrais fumer un Mais dis, joint, on a bossé les questions. franchement, en réel, fumer un gros joint à Wiz Khalifa, ça me ferait bien kiffer. Ouais, Wiz Khalifa, j'avoue, ouais. Ouais. C'est vrai qu'il sort moins souvent, mais c'est quand même une grosse figure du cannabis, Wiz Khalifa. On dit plus souvent Snoop Dogg et tout, Vlog, c'est une icône, frère, mais Wiz Khalifa aussi, frérot, mais. Ouais. c'est un monsieur. Ouais, c'est un monsieur, c'est un monsieur. Admettons de. Demain, tu rentres en France et vas-y, tu deviens président. Ça serait quoi la première loi que tu votes, même si t'es pas trop politique? Frère, c'est même pas une question, tu le sais très bien, c'est pour la régularisation et la légalisation du cannabis. Tu vois, faire ça Ouais, en mode c'est. que ça vienne vraiment comme les coffee shops en Hollande et pas comme les social clubs en Espagne, tu vois. Ok, toi, t'es plus sur cette vision-là, toi. Ah ouais, frère. 100% mon ref. Ok. Mon ref. Pouvoir Si jamais être. un French Genetics. Ah, excuse-moi, je t'ai coupé, Non, dis-moi. traçabilité au maximum, frérot, parce qu'aujourd'hui, on sait plus ce qu'on fume, on sait pas d'où Ouais. ça vient, frérot. Ouais, carrément. Je sais pas comment. Ouais, que ça C'est puisse être plus. Ouais, c'est ça, plus traçable, plus. un vrai business, gros. Un vrai business, frère. Que ce soit, qu'il y ait des farmeurs français, ma gueule, qui soient agréés par l'État. Vraiment, il y a un vrai système, gros. Comme ils font exactement, tout simplement, Amsterdam. Enfin, en Espagne, c'est encore différent. Ouais, c'est encore différent. Mais carrément, carrément, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. J'avais une question, mais si tu devais choisir entre le chocolat et les fleurs, du coup, tu as déjà répondu, tu fumes pas de fleurs. Donc, le chocolat, si tu devais follow plus qu'un seul compte Insta, tu followerais qui? Ça fait la petite promo là pour un compte Insta. Frère, tu me poses des questions, je te jure, ça me vient même pas. Questions, en fait, c'est des questions à quoi j'ai jamais pensé. C'est-à-dire que c'est intéressant, gros, si je devrais suivre quelqu'un Bien sur Insta. sûr, bien sûr. Un seul compte, là, un compte qui te fait kiffer, que quand tu ouvres Insta, mais c'est même pas forcément du 400 là. Un compte qui te fait kiffer. Un compte que t'as vu, tu sais, c'est ce compte, tu le follow, tu le regardes. Tu peux dire le A, hein. Tu peux dire le A. Hein. Va dire le 1, hein. Franchement, ton contenu Le. il est intéressant. Quoi. Ton contenu il est très intéressant, frère. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, d'ailleurs, frérot, et ton contenu il est super intéressant, mon ref. Merci, merci beaucoup. Façon, on fait ça. Ça, tu connais, on essaie de faire ça bien, on essaie de bosser pour la communauté. Si tu devais recommander une strain à quelqu'un qui a jamais fumé, c'est quoi ta strain? En strain, on va partir sur tout ce qui va être tangy, tout ce qui va être forbidden fruits, tout ce Ok. qui va être fruité, mais vraiment, tu sais, ce petit goût. Je sais pas s'il y a les anciens qui vont se rappeler. FF. Attends, comment ça s'appelle? Forbidden Fruit Watermelon Skittles. FFWZ. À l'ancienne, c'était Biscotti, je crois qu'il l'avait. Ok, FFWZ, gros. Incroyable. ouais, non. Non, vraiment, vraiment incroyable. Je m'en rappelle de ça, je m'en rappelle. De toi, t'aimes le Capri Sun. I, sous Capri. Ouais. Si tu devais vivre dans un seul pays jusqu'à la fin de ta vie, tu vivrais où, frérot? Tu vivrais aux États-Unis? Et bah, la vérité, je vais en Thaïlande, mon ref. Ah ouais? Ah, frère. De une, j'aime trop les Asiates. Ouais. Et de deux, tu connais, frère, la qualité de vie. Moi, je me suis mis un peu au sport, tout ça, et même la qualité de vie, la nourriture, tout, je sais pas, l'air. Ouais, non, 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 non. La Thaïlande, vraiment, c'est vrai que moi j'y suis, je peux le dire, je peux témoigner, c'est un autre mode de vie, c'est un autre délire, Ah, c'est épanouissant, frère. c'est le Surtout confort, avec. t'as le confort, c'est vraiment le confort de ouf.
toute la légalisation qu'ils ont lancée, frérot. Après, je sais pas si c'est vrai, est-ce qu'ils vont dire Ouais, faire marche de arrière. loi, etc. Ce que j'ai entendu, après, je sais pas si c'est Ouais, forcément bah vrai. pour le moment, en tout cas sur place, il se passe rien, tu vois. Donc je sais pas, on verra. Écoute, on va faire sur la dernière question avant de passer aux questions du public. Si tu devais inviter une personne pour le Big Show, t'aimerais voir qui dans le Big Show? Honnêtement, Ouais. à Frenchy Cannoli, frère. Putain, Sale. au moins ça, moi j'aimerais bien inviter sa femme en vrai. Possible, hein, sa femme ou son apprenti, Ouais. hein, c'est possible. Ouais, ça serait bien pour vraiment pouvoir mettre en avant ce mec aussi, tu vois, parce qu'il y a des jeunes générations qui nous rejoignent toujours, qui savent peut-être même pas qui c'est, tu vois. Il faut faire perdurer, frérot. C'était quelqu'un, on va pas se mentir, avec un cœur tellement incroyable, frérot. En fait, c'était la passion, c'était l'envie d'apprendre avec lui. C'est pour ça que c'était incroyable, ma gueule. Ouais. Parce que toi, du coup, ouais, t'as été proche de lui à un moment, non, c'est ça? J'ai pu faire plusieurs sessions avec proche, c'est un grand mot, mais j'ai pu faire quelques sessions avec lui, j'ai pu le voir plusieurs fois en vrai. Effectivement, j'ai pu avoir des petites techniques, Ouais. des petits. Tu vois Et on parle que. d'une époque où aujourd'hui des techniques peut-être que les gens trouvent sur sa chaîne YouTube, mais moi on parle d'une je me rappelle qu'on parle d'une époque où frérot il n'y avait pas autant de savoir quand toi tu as fait ça. Toi tu étais l'un des premiers moi que j'ai vu personnellement parler de hache comme ça, faire des trucs à l'époque, moi je te parle d'il y a 4-5 ans déjà. Je sais pas, ce que j'ai fait, frérot, c'est que je suis parti au Maroc. J'ai fait un petit voyage à Chaouen, Ketama. J'ai tellement kiffé, gros. Et je me suis dit, mais pourquoi pas faire ça en Californie avec des plantes californiennes? Donc, vas-y. 2017-2018, j'ai foncé, frérot. Et j'ai commencé à reproduire des techniques marocaines avec des sacs, avec des variétés, des strains californiennes. Et de fil en aiguille, frérot, ça a sorti des très bonnes qualités. J'étais surpris même de la qualité, gros. Et voilà, hein, frère, j'ai envie de te dire. En vrai de vrai, frérot, le H, c'est compliqué à. Je sais pas comment t'expliquer. Pour moi, c'est la vraie énergie de la plante. Je sais pas Ouais, comment t'expliquer, gros. C'est pour ça que je capte, je capte. la forme finale. Après, tu vois, t'as tout ce qui va être extract un peu plus approfondi, gros. Bien sûr. Mais c'est la matière finale. Je sais pas Ouais, comment t'expliquer. C'est la finalité de la non, forme. je capte, je capte. C'est la résine, ouais, c'est l'isolation des trichomes, quoi. C'est C'est bien l'histoire ce de que la tu plante. dis. Eh ben, écoute, mon frérot, je te propose qu'on passe aux questions du public. Comme ça, on pourra en apprendre un peu plus sur toi. Tu pourras peut-être t'expliquer un peu. Mais frérot, c'est votre moment. Ceux qui avaient des choses à dire, dans le respect toujours et la bonne humeur, les frérots, la bonne ambiance, on est des gens, on est des grands garçons, on va tous se parler avec respect et dans les limites du possible sur un live, les frérots, n'oubliez pas qu'on est sur un live et que voilà, donc posez vos questions, vous cliquez ici, j'attends, j'attends. Il n'y a aucun tabou, posez toutes les Et questions que vous voulez, les frères. exactement. On va répondre à tout, tout ce qui est possible de Alors, posez des répondre. questions, les frérots, s'il vous plaît. Le prénom de Sur Frenchy Genetics, les frérots, pas sur moi, pas sur la Dynava, pas sur la vaporisation, c'est vraiment pour le frérot Frenchy Genetics. Attends, je vais taxer du feu tout de suite, en live. Alors, les frérots, je vous dis la vérité, je vais le lancer direct dans le vif du sujet, je sais que vous voulez des réponses, hein, on va pas passer par quatre chemins. J'ai une question de Winterlost qui dit question à prendre au calme, de toute façon, on est là pour être au calme, pourquoi avoir scam ou pourquoi on te reproche tant ça? Parce que moi, personnellement, je n'étais pas au courant, frérot. Rien, je ne m'intéresse pas. Je l'ai appris quand j'ai mis en story en recevant des messages. Toi qui m'as expliqué, qui m'as déjà dit, tu vois, moi, j'ai eu les deux versions. J'ai eu ta version. J'aimerais bien que tu puisses un peu nous éclairer. Moi, je ne suis pas juge, donc c'est à toi, tout Déjà, simplement. 90% des gens qui me traitent de scammer, frérot, c'est des gens qui n'ont jamais commandé chez moi. C'est des gens qui m'ont toujours envoyé des messages pour me soutenir. Et pourquoi on me traite de scammer aujourd'hui, frérot? Je te cache pas. J'ai créé avec un ami à moi, des États-Unis, un groupe. Excuse-moi, il y a du bruit de ouf. Ouais. Un groupe qui s'appelle Caviar, tu vois. Lui, sur plus de 150 commandes, frérot, il y en a peut-être une quinzaine qui se sont fait plier. Mais c'est les risques du métier, mon ref. T'as vu? Donner pour ma communauté avec différents projets, avec tout, les contenus que j'essaye d'apporter qualitatifs, etc. Tu vois, bah aujourd'hui, y a un grand homme qui a dit, six personnes mécontentes feront beaucoup plus de bruit que 200 personnes satisfaites. Je sais pas qui c'est ce grand homme, mais il a de l'inspiration. C'est la vérité, frérot. Ça fait 5 ans, frérot, qu'on charbonne comme des porcs. On nous a jamais rien reproché. Il y a
Malheureusement, on a eu une erreur de parcours à un moment, frérot. Et je sais pas si on va pas commencer vraiment Bien le sûr, pourquoi du comment. non, le but c'est pas d'être dans les détails, le but c'est de comprendre, de mettre un truc et on peut pas Frérot, faire comme si c'était rien passé. on est des humains, j'ai 25 ans, frérot. On fait tous des erreurs, frérot. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Moi personnellement, je sais que les erreurs c'est le lot des gens qui entreprennent. Quand tu entreprends, ça Ou arrive pas, c'est d'avoir exactement. des erreurs, tu vois. Mais après, encore une fois, moi c'est vrai que les frérots, pour être totalement honnête avec vous, ça fait un an que je suis en Thaïlande. Je ne suis pas trop les Telegram de base. Moi, je ne suis pas ce qui se passe sur Telegram. Je ne suis pas les envois, les trucs, les machins. Donc, moi, je n'étais même pas au courant de tout ça. Maintenant, tu as pu donner tes explications. Les gens qui sont d'accord avec les explications, tant mieux. Ceux qui ne sont pas d'accord, tant pis. Tu vois, et voilà, c'est la vie. Hein. Je sais pas. J'ai commencé. On Moi, j'ai enchaîne sur. commencé. Mais Tu as commencé à quel âge, frérot? C'est super jeune, je trouve. Après, on commençait tous avec la top com, etc. Tu vois. La police. Non, ouais. On sait. En vrai, je m'en bats les couilles, frérot. Il y a prescription. On a toujours été dans le légal, frérot, et on restera dans le légal. T'as compris? Bien sûr. Et ouais, c'est tout. J'ai commencé vraiment à mettre dans le hash aux alentours de mes 17-18 ans. Ok. Et c'est là où tu as commencé à consommer ou tu as commencé à fumer Moi, je me suis toujours intéressé à ce que je consommais, que ce soit dans la nourriture ou que ce soit dans les produits. Tu sais, c'est ton corps, frérot, t'en as qu'un, il faut en prendre grave soin. Ouais, Mon bien gars. sûr, bien sûr. Et oh, au bout d'un moment, je suis mon joint dégueulasse de top. J'allais pécho 10 grammes, 10 euros, mais 2 grammes. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a dedans, gros? Et c'est là que j'ai décidé de faire ce petit trip au Maroc. Et en vrai, c'est là que ça a commencé, frérot. Okay. Ah ouais, c'est vraiment parti de moi, sur un coup de tête. Ah, frère, c'est même pas sur un côté, c'est la passion, frère, qui a Ouais, parlé. ouais, ouais. Mais de toute façon, la passion, c'est souvent ça, frérot. Elle entraîne des trucs, c'est avec passion, tu pars Et à n'importe fond, comment, quoi. passion qui paye. Et je te cache pas, frère, ça fait un an et demi, j'étais pas là. Moi, j'ai perdu un membre de ma famille, frérot, quelqu'un que j'aimais énormément. Et vas-y, je te cache pas, frérot, un peu les épaules entre les critiques, entre trucs, etc., gros. Je comprends, frérot, ça arrive à tout le monde de. Et toi-même, tu sais, ma gueule, je pense que t'es comme moi, ma communauté, frérot. Enfin, ta communauté, tu l'aimes tellement, gros, que t'as que envie, ma gueule, de leur envoyer que des bonnes ondes. Et quand t'as une dizaine de personnes, ma gueule, que toute la journée, ils t'envoient scammer, oui, on m'a dit t'as scammé, ouais, c'est vrai. Et gros, j'ai dit, vas-y. Allez, j'ai pas la tête à ça, ma gueule. Je vais tout mettre de côté, frérot, et on reverra. Même j'ai fermé mon site de CBD, gros. J'ai mis un gestionnaire, un mec qui faisait les commandes. Pareil, je me suis fait baiser par lui, frérot. Un mec qui me vendait du rêve, qui parlait. Même t'inquiète, moi, je suis. Et gros, il y a tellement de trucs qui ont fait que ma gueule, je suis naïf. Et malheureusement, c'est des erreurs. Mais c'est pas Ouais, grave. après, maintenant, frérot, faut avancer, je pense. Si toi tu comptes revenir faire des trucs là, ou genre c'est juste tu venais faire un live, parler, machin, mais tu comptes revenir faire des trucs toi quand même? Maintenant qu'on est en projet d'ouvrir une boutique sur Paris, Ouais. là on est 2023 qui n'est pas sorti. Cette année, frérot, on va revenir plus fort que jamais, ma gueule. Surtout que les gens y voient mon visage. Ça y est, on peut s'exposer maintenant. Bah écoute, ouais. À faire des grands. J'irai extraire chez vous. Donc déjà, on a une vidéo qui est déjà sortie. Une condensée d'à peu près genre 7 minutes. On en a une autre de 15 qui va sortir sur YouTube. Bah, en fait, nous, le projet que j'avais, c'est j'irai extraire chez vous. C'est qu'aujourd'hui, tu as plus d'une vingtaine d'agriculteurs indépendants, que ce soit des agriculteurs en Espagne, que ce soit en France, en Suisse, peu importe. Ils ont envie d'extraire. Et moi, j'extrais de manière artisanale, sans machine, sans rien, à force de nos bras, mon ref. Ça veut dire, on y va, on va extraire, on leur fait du shit, et on filme tout, frérot. Et après, vas-y, tu connais, création de contenu, chaque variété est différente. Après, je voulais expliquer vraiment pourquoi cette variété, il faut la travailler comme ça, pourquoi celle-ci comme ça, qu'est-ce qui est bénéfique avec cette plante-là qu'il n'y a pas avec celle-ci, tu vois. Et c'était ça, en vrai, que, enfin, on a toujours en projet de faire, mais bon, je te cache pas, frérot. Petit à petit. Ouais. Pour donner toute ma vie pour Frenchy, gros, qu'au bout d'un moment, je te cache pas, j'ai fait une saturation, frère. Ouais, je comprends. Je vois ce que tu veux dire. J'en ai une question de The Bud of Flora qui nous dit quel est ton plus grand regret dans ta carrière si t'en as un, peut-être que t'en as pas aussi, moi. Mon plus grand regret, c'est de ne pas mettre assez focus sur ma passion. C'est ça, le problème. Ok. Tu peux te développer? Ouais. Je suis rentré, en fait. J'aurais jamais vraiment dû rentrer dans le CBD. Je suis rentré Ok. dans le. À ce moment-là, je travaillais avec des acteurs du marché qui avaient des produits de fou. Tu comprends ou pas? Fabriqués en France, Johan Paulvé, SO la Canebrune de la Divine.
C'est des gens, frère, c'est des chambriers qui travaillent, ça fait plus de 60 ans, frérot. Et le seul regret que j'ai, frérot, c'est de, bah, malheureusement, pas avoir continué à fond dans ce que je faisais, vraiment la création de H à 100%, tu vois. J'ai voulu un peu industrialiser ma brand. Ouais, je capte, t'as voulu. Mais c'est un moment où peut-être t'as eu besoin d'argent, je sais pas, je connais pas ta vie particulière, mais. Moi, mon but dans le CBD, frérot, ça a toujours été de proposer les meilleures qualités, en gros. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, frérot. La meilleure qualité venant des meilleures personnes, d'accord? Fabriquée en France. Pas d'importation d'Italie, pas d'importation de Suisse, etc. Et c'est ça le problème aujourd'hui, frérot. Et c'est pour ça que j'ai vite arrêté de faire de la résine, j'ai vite arrêté de faire de la fleur et je me suis vite concentré dans les produits dérivés comme les sirops, etc. C'est parce qu'aujourd'hui, frérot, les concurrents, ils nous éteignent. On peut proposer la meilleure qualité. Frérot, nous, notre prix de production, il est fait à la main. Tout est fait à la main, t'as capté? Ouais. C'est-à-dire, c'est un canal, frérot. Quand on a, ils industrialisent la chose, ils te vendent des grammes de CBD à 0,70 centimes. Quand nous, tu sais qu'en coût de fabrication, frérot, ça nous revient à peu près au moins 5 euros, frérot. Tu comprends Ouais, ou pas? tu peux pas combler. Puis après, moi, je te dis la vérité, personnellement, je suis pas trop au courant du marché du CBD. Ça m'a, À m'a dégoûter du cannabis. je m'intéresse pas trop. C'est pas mon, ouais, c'est pas mon univers. C'est pas du tout. Mondaine, en vrai, c'est pas, je sais pas, moi je trouve qu'il n'y a pas un vrai public, en fait, après je m'y connais pas, mais je trouve qu'il n'y a pas un vrai public, tu vois, dans le CBD. D'accord avec toi, frère. Vrai consommateur, ou peut-être je me trompe, hein, mais en tout cas pas comme le THC. Y a une farm qui rustique, qui rustique, qui replaquette ses résines. C'est-à-dire, on pourrait jamais être sûr de la traçabilité à 100%. Je sais pas comment t'expliquer, gros, tu Ouais. vois. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup aujourd'hui des agriculteurs français qu'il faut qu'ils s'implantent dès le début. Par exemple, je sais que Johan, la Canoula Divine, ils ont des autorisations pour pas pousser du cannabis médical en France. Et eux, Ouais. ils ont préparé les premiers à avoir cette autorisation-là, tu Ok. vois. C'est pour ça que c'était légitime de lancer une marque de CBD à ce moment-là. Je travaillais avec des gens, frérot, des fleurs incroyables. Ils m'ont fait confiance sur l'extraction. Et encore une fois, frérot, c'était des quantités limitées. Ça a toujours été des quantités limitées, tu vois. Et ça, on n'arrive pas à être compétitif, tu dis, avec des trucs comme ça en France. Impossible. Tu peux Ouais. pas. Tu peux pas, gros, parce que le coût de production en France est beaucoup trop cher sur l'importation, gros, sur l'exportation qu'on a. Frère, tu vas en Italie, tu vas en Suisse, ils ont que ça, ma gueule. En France, on est en retard, en vrai. Ouais, en France, on a eu du mal à passer le cap, même si et ça va être pareil pour le THC. De toute façon, je te propose d'enchaîner directement sur la partie du débat ou l'avenir du cannabis, frérot. Comment tu vois, toi, personnellement, ta vision de l'avenir du cannabis dans un sens large, mon frérot, dans un sens vraiment la manière qu'on se. Est-ce que pour toi, tu penses qu'on va continuer de trouver des manières d'extraire ou des manières de faire qui vont faire encore plus. Tu parles surtout sur comment travailler avec la plante, moi je vois vraiment, moi quand tu me dis comment tu vois le cannabis, c'est vraiment en termes de Ouais. mentalité, les gens. Aujourd'hui, le shit, c'est vu comme un financement du terrorisme. Et ça change pas pour la tête des Français, gros. Tu vois, je sais pas comment t'expliquer, Je gros. vois. Pourtant, depuis quand, frérot, depuis quand t'achètes du top comme ça finance. Peu importe, gros. Je sais pas comment t'expliquer la chose, mais les mentalités, il faut qu'elles changent, mon ref. Et aujourd'hui, je pense pas que ça changerait avec le président qu'on a, frère. Ouais, non, je pense qu'avec le présent qu'on a, ça changerait pas. Mais toi, est-ce que tu penses, il y a beaucoup de gens qui disent qu'on va vers un monde où on va de plus en plus de consommer d'extraction, de moins en moins de fleurs. T'en penses quoi, ça, toi? Est-ce que tu penses que l'avenir de la consommation, c'est l'extraction, c'est tout ça, c'est. La clientèle pour tout, frérot. T'en as, ils vont préférer la fleur, ils vont mourir avec la fleur. Et t'en as, frérot, comme moi par exemple, bah frère, je parle résine, je respire résine, c'est. Il me faut ce petit hit dans la gorge, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer. Ouais. Moi je pense que. Après, c'est chacun ses préférences en vrai. Mais en tout cas, je suis content de voir qu'ils ont toujours trouvé même des techniques en isolator d'extraction incroyables, frérot. Des isolations à plus de 90 pour. Putain, tu me fous le seum avec ton feu, gros. J'ai envie de t'éclater mon ventre depuis tout à l'heure. Putain, y a pas quelqu'un qui a briquet pour le frérot. Attends, je vais demander. Eh, ça te dérange pas, je reviens dans 30 secondes, vraiment 10 secondes Vas-y, là. vas-y, je vais meubler, vas-y. Les frérots, dans les commentaires, je vous vois, vous êtes chaud, vous êtes énervé, vous êtes en mode. Non, on est là, les frérots, on est là, on est là.
Moi, t'as vu, pour parler, si vous voulez, mon avis, moi, sur l'avenir du cannabis, comme ça on va meubler, comme ça on va faire. Pour moi, les frérots, l'avenir du cannabis, j'ai l'impression qu'on arrive à un point où on a atteint des limites. On a atteint des limites, tu vois. Pour moi, Tu disais quoi, mon... je disais que pour moi, on a atteint un truc où on arrive quand même à des limites. Ça fait, comme t'as dit, on arrive à des trucs à 90%, on a même de l'isolate ou des extractions, des distillates qui sont à 99, des trucs comme ça. On va pas pouvoir pousser le truc au-dessus de 100 dans tous les cas, tu vois. Et même 100, en vrai, Après, c'est t'as les pas diamonds, forcément possible. t'as tout ce qui va être diamond sauce, ça c'est puissant, tu vois. Mais moi, frère, on va pas se mentir, ce que les gens aiment en vrai, c'est un joint, c'est classique. Je sais pas comment t'expliquer, Ouais. gros. Après, encore une fois, pour toi, tu n'aimes pas forcément consommer du tabac, etc. T'as la vaporisation qui est un excellent intermédiaire à ça, tu vois. Je suis pas très fan de mon côté, je le dis. Ça Que sera j'allais te Bédo jusqu'à demander. la fume du Toi, t'aimes pas les dabs, au moins les dabs, tout ça, t'es pas dans le délire dab, Eh, la vérité, mon ref, moi je suis une salope. J'ai Puffco. jamais touché de drogue dure de ma vie et j'ai toujours tapé que du pilon. Ok. Que ça. Ça veut dire moi, ça me fait peur un peu, je te cache pas. Ouais, à ce point? Trop fort, mon ref, ça me fait peur. Ah Trop fort, gros. je pensais pas, je pensais que tu fais pas. Ah, mais toi, tu fais un donut par exemple dans un joint, tu vas le fumer? Je vais te dire la vérité, j'ai fumé une fois un donut dans ma vie, c'était avec Magic King Bruxelles. J'étais éclaté, gros. Je me suis dit, plus jamais je vais être dans cet état, gros. Moi, Oui. j'en ai fumé un là en Thaïlande avec eux justement, bah, c'était incroyable. Et est-ce que tu penses, toi, que dans comment tu vois l'avenir en France, est-ce que tu penses qu'en vrai il y a une possibilité, même en Europe, tu vois, est-ce que tu penses qu'il y a une possibilité de légalisation de, toi, tu vois ça comment? Tu penses que ça va arriver? L'Europe, tu me dis? Dans l'Europe en général, on voit que ça se passe en Allemagne, Luxembourg. Bon, on part du principe où la France est soumise à la loi européenne, frérot. Ça. Donc un jour ou l'autre, ça va suivre. Hein. Mais pour l'instant, c'est compliqué. Parce qu'en fait, ils sont trop en train de faire passer des lois, des trucs. En fait, là, en ce moment, ils essaient de renflouer les caisses de l'État, gros. Et ils n'ont pas compris que, on va dire, le cannabis, c'était une part de marché énorme. Et ils peuvent taxer tellement si c'est bien travaillé, si c'est bien régulé, s'il y a une bonne traçabilité. Ils peuvent faire tellement d'argent. Mais je pense qu'aujourd'hui, ils en ont peur, gros. Tu comprends? Ouais, je pense aussi, faut pas, parce qu'en France, ça a quand même, il y a quand même une histoire spéciale avec le cannabis, tu vois, l'histoire de France et tout, c'est une, je sais pas, moi, t'as vu, je me dis, la France, elle va tellement taxer que, en vrai, ça va être impossible d'avoir des produits compétitifs et on va tous continuer de récupérer au black market. Ça sera comme il se passe aujourd'hui à Los Angeles. Tu vas dans des dispensaries, tu vas prendre tes 3 grammes 5, tu peux les payer 50 euros, 50 dollars, excuse-moi. Mais tu vas dans des secret sales, donc dans des marchés d'agriculteurs indépendants, dans des marchés un peu zone grisée. Frérot, t'achètes ton 3 grammes 5, frérot, enfin ton 3,5, tu l'as pour 12 dollars, frère. Ouais, c'est ça. Au final, du coup, ça, c'est ça, en fait, je pense que la France, ce qu'ils vont dire, c'est que si on taxe et qu'on prend de l'argent, on ne sera pas compétitif, donc les gens, ils vont continuer de récupérer à... Tu vois? Ah frère, il y en aura pour tout le monde. T'as les gens qui voudront faire fonctionner ce système-là. T'as des clientèles. Il y aura toujours une part de marché pour le marché légal, frérot. Il y aura toujours, toujours. Bien sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est Égal. sûr. Comme les cigarettes. Exactement, frère. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, du coup, pour toi, l'avenir du cannabis, il a des beaux jours encore devant lui ou pas trop? Moi, je vois même là en Thaïlande et tout ce qui se passe, frérot. Là, on était à un premier événement qu'ils ont organisé, là, la Full Moon Sesh. Il y avait les mecs de Terx Army, les mecs de Doja, les mecs de Puffco. Il y avait plein de monde. Et Vraie on était équipe. dans une boîte de nuit, frérot, dis-toi. On était dans une boîte de nuit qu'ils avaient louée et dedans, c'était la plus grande boîte de nuit de la ville et dedans, ils faisaient la remise des prix, genre. Et tu pouvais fumer dans la boîte et tout, faire des dabs. Et ça, t'es jamais de la vie, tu verrais ça même en Espagne, j'ai jamais vu ça. Tu vois ce que je veux dire? Est resté carrément à une mentalité où ma mère, elle me disait, je lui dis carrément que le cannabis est devenu légal en Thaïlande. Elle me disait, mais tu sais, à mon époque, un joint, t'allais en prison. Donc, Bah un jour, point d'aller en prison à passer à des dispensaries ouais. Et partout. partout, il y en a partout. Incroyable, C'est frère. une dinguerie, c'est vraiment une Même dinguerie. en termes d'économie, je pense que le pays, il a dû comprendre que c'était un plus pour eux, que ça soit dans le tourisme, que ça soit. C'est un pic immense, frérot. Bah De toute justement, façon,
C'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que le cannabis, quand il se légalise dans les pays, ça devient un nouvel attrait touristique. Tu as des nouveaux types de touristes qui débarquent. Et pour la Thaïlande, ça fait pas plus mal. Il y a plein de touristes qui viennent pour le cannabis. Et c'est des meilleurs touristes que ceux qui viennent pour les ladyboys ou les trucs comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Fait d'accord. Et ça, en vrai, ça redore l'image de la Thaïlande quand même. Il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, mais la Thaïlande, elle ne veut pas cette image. Je pense que ce qu'ils vont faire, tu as vu honnêtement, si je peux donner mon avis, et de toute façon, on parle de ce qui va se passer dans l'avenir du cannabis, pour parler de l'avenir en Thaïlande, je pense qu'ils vont faire un délire un peu, tu sais, médical, mais c'est juste pour dire en mode, ouais, on est médical, c'est pas, tu sais, pour qu'on arrête de montrer la Thaïlande du doigt en mode comme ceux qui ont légalisé à des faire récréatifs, machin. Bah comme ils ont fait un peu au state, Ouais, je pense que ça va être le même délire, voilà. pour tous ceux qui sont en dessous de 21 ans, t'as rien à faire, hein. Tu vas chez Green Doctor, ça coûte 70$, il te fait une carte, il dit t'as quoi, t'as mal à la tête, t'as mal à la jambe, t'es en dépression, il te le Ouais. note, il te donne une carte, il dit Ouais. t'as 18 ans, tu peux aller acheter, c'est Ouais, c'est ça. médical, mais t'as le Ouais, droit à des voilà. certaines variétés, tu vois. Bah, à mon avis, c'est ce qui va se passer ici, parce que dans les textes de loi, ils parlent pas d'interdire le THC ou quoi, ils parlent juste de le rendre médical, quoi. Je pense que c'est ce qui va se passer, c'est juste sur. De toute façon, on est en Thaïlande, je sais pas si t'es déjà venu, mais ici ça se passe, tu sais comment ça se passe, et voilà. Je pense que c'est juste pour une façade en vrai, c'est juste pour l'image, pour machin. Et Hâte de venir, vraiment hâte de venir, mon franchement, frérot, ici, tu vois, j'ai l'impression qu'ici, ouais, ça va être une terre de cannabis qui va. Ça va être un pôle, tu vois ce que je veux dire? Ça va être. de Amsterdam, frère, tout simplement. Ouais, carrément, franchement, et puis. En fait, c'est tout mélangé, le confort de vie, avec le fait que ça soit légal, avec le fait que la vie soit pas chère, tout mélangé, tu fais vraiment un truc de malade. Il y a un frérot qui s'affole dans les commentaires depuis. Il dit, tu vas rouvrir quand le site de CBD? Ah, le nouveau site de CBD il va arriver d'ici quelques mois, la famille, je vous cache pas, au maximum 2 mois. Au maximum, maximum. Voilà, parce que je vois que ça fait un moment qu'il pose la question, je te fais ce plaisir, mon ref, on te répond à ta question. On vient de te répondre, le frère vient de répondre. Maximum 2 mois. Dans 2 mois, il y aura un nouveau site et la boutique elle est encore en travaux. Et je te cache pas, je voulais poster quand c'était fini parce que j'ai pas envie de faire le mec. Parce que c'est quoi, on parle pas, on va poster directement. Vas-y, vas-y, vas-y. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que tu penses que, par contre, tu vois, il y a un truc que je parlais avec les gens, et c'est vrai que j'avais jamais pensé. Est-ce que tu penses que si le cannabis, le THC, devient légal, par exemple, en France? Le marché, par exemple, du CBD en France, est-ce que tu penses qu'il pourrait subsister ou il va totalement couler parce qu'aujourd'hui. Tu bois de l'alcool? Non, pas vraiment. Tu bois du shampoing? Il Non. y a une clientèle pour tout. Je sais pas comment Ouais. t'expliquer. T'as les bons buveurs. Ouais, en vrai, je vois ce que tu veux dire. Il y a des gens qui achètent de la bière sans alcool. T'as une clientèle pour tout, gros. Donc Ouais. ouais, effectivement, si demain t'as le THC qui se légalise, il y aura toujours une partie des gens qui se disent bah la journée je veux fumer mon CBD et le soir j'ai envie de me défoncer le crâne avec un bon petit joint Mais est-ce que sucré, tu vois. tu penses que du coup, par exemple, ici en Thaïlande, t'as vu avant, il y avait des shops de CBD, le CBD c'était légal un peu avant. Mais en mode, maintenant, c'est les shops de weed classique qui vendent aussi du CBD, du coup, il y a de moins en moins de shops de CBD. Mais ils vendent toujours du CBD. Ils vendent toujours du CBD. C'est qu'il y a une clientèle quand même, tu vois. Ouais, c'est vrai. Non, mais il y a vraiment une clientèle. Moi, il y a même des gens, pour être honnête avec toi, tu sais, j'ai un petit code d'affiliation promo avec un shop. Je peux voir les gens qui viennent avec mon code qui récupèrent, tu vois. Et il y a des frères, ils sont venus récupérer du CBD, bande de. Je vais en Thaïlande pour récupérer du CBD avec mon code promo. C'est des galères. Je mets pas des codes promo pour que vous soyez clean, hein. Je mets des codes promo pour que vous soyez dépensés, moi. T'es fou, Mais frère. ouais. Non, mais du coup, c'est vrai que je me J'aime dis, trop moi. l'énergie des mots, les gars. C'est une dinguerie, frère. Pourquoi je t'ai pas connu avant, ma gueule? Voilà, on aurait traîné sur Paris à toute patate, tu serais venu, frère. Moi j'ai plus moi je rentre plus en ça, j'ai plus trop venir en France moi frérot, je te dis la vérité, c'est baiser maintenant, c'est baiser pour moi. Quand t'as connu la Thaïlande, c'est très 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 compliqué de revenir, même en fait quand t'as connu la légalisation du cannabis dans l'immeuble. C'est fini, tu repartiras jamais en arrière, frère. J'ai pas envie, je peux pas me dire je vais retourner dans un endroit, je peux pas frérot, je peux Ah, pas, je peux je te pas. comprends. Je te comprends tout à fait, mon refrain. Attends, je vais me poser Ah, ici. vraiment. Moi, t'as vu, je te dis, on parle d'avenir dans le cannabis. J'aimerais pouvoir, t'as vu, la vérité, pouvoir faire le tour un peu de tous les pays où c'est légal, tu vois.
Partir là, faire ce que je fais en Thaïlande, partir faire au Canada, partir faire aux États-Unis. Vas-y, rester un peu, tu sais, quelques années dans sa cruque, développer deux, trois business, deux, trois relations. Et j'espère, vas-y, d'ici 5, 6 ans, c'est légal. Je reviens en France, je trouve une marraine, je fais des gamins, je me pose. Et voilà, frère, tu vois ce que je veux dire? Amoureux. Moi, le but, je te cache pas, j'ai 25 ans, frérot, et je me vois marier à la fin de l'année, frérot. C'est bon? À la fin de À la fin de l'année? Bah écoute, l'année, si je veux, frérot, j'ai trouvé ma frérot, petite c'est tout le femme malheur et. qu'on peut te souhaiter. C'est tout le malheur qu'on peut te souhaiter. Est-ce que toi, C'est un bon, frérot. si demain, tu vois, on parle de l'avenir, du coup, si toi, demain, admettons que le cannabis, il devient légal en France, tu rentres en France faire du business? Bah, j'ai toujours des business en France, frérot. C'est-à-dire que, t'as vu, aujourd'hui, si demain, t'as la légalisation qui rentre vraiment active en France. C'est sûr que j'aurai les agriculteurs à qui contacter et on va essayer de faire bah, comme on a essayé de faire avec le CBD, toujours des produits archi quali et en espérant qu'ils n'impliquent pas l'importation dans l'importation de THC à travers. Merci. Bon. Des fois, je dis grand merci, c'est vrai, je comprends même pas. Bah je te disais quoi? Je te disais. Je sais même plus ce que je te disais, mon gars. J'ai pas de flux depuis tout à l'heure, tu j'ai me une flemme. disais la France, l'exportation qu'ils Ah oui, alors. acceptent, les contacts. Si, si, ils font comme le CBD où justement l'exportation à travers les zones européennes, ils sont légalisés. Gros flemme. Je sais pas comment t'expliquer, ça va niquer le marché français, gros flemme. Ils Ouais, font je sur le même capte. principe que le CBD, gros. Bah, les gens, ils vont vouloir se produire où c'est le moins cher. Ils vont vouloir marger et faire le plus de Ouais, mais bénéfices possible. après, il y aura quand même ce truc de, t'as vu, si t'as une image, si tu sais que les gens ils font un bon travail, si tu sais que les gens ils vont préférer venir vers toi aussi. Il y aura, tu sais, des gens qui ont des images, des machins, je pense à plusieurs growers. Je suis d'accord avec toi, mon frère. Je Si eux ils suis lancent leur vraiment tout à truc, fait d'accord avec même toi. toi, je pense que t'as une image de marque, t'as un truc, peut-être si tu lances ton dev, Bah, on c'est peut pour pas ça les que les... concurrencer sur ça. C'est pour ça que les gens aujourd'hui, ils ont continué à nous acheter notre CBD malgré qu'il y ait eu beaucoup de concurrence comme Deli-M, comme. Ouais. Bref, bah, parce qu'aujourd'hui, ils ont compris que la qualité, frérot, c'était un prix à payer, mon Bien frérot. sûr, bien sûr, Simplement. bien sûr. Ben frérot, de toute Et nous, on s'est toujours qualifié en tant que CBD, enfin, marque de CBD de luxe en quelque sorte, tu vois. Donc, pour les vrais connaisseurs, tu vois, pour quelqu'un qui veut fumer du CBD et pas n'importe lequel. Ouais, je capte. Ouais, j'avais vu ça. De toute façon, je suivais un peu. Moi, je te dis, frérot, très honnêtement, je suivais ce que tu faisais à l'époque et tout, quand je faisais même pas encore de vidéo. T'as vu, je suivais toi, je suivais l'outil, je suivais. Donc, en vrai, je m'en rappelle, hein, je m'en rappelle de quand t'as. Les anciens, ça, l'outil, c'est un ancien. SO l'outil. SO l'outil et on va dire fuck Hyduck. Non, non, jamais, jamais, frérot, jamais, non. On est Tu veux... là dans Alors, la. je vais t'expliquer, frérot. Hyduck, c'est une des seules personnes, Frérot, on frérot, n'est qui a même une. pas là pour ça, on n'est même pas là pour ça, en fait, t'as vu, je te dis la vérité, on n'est même pas là pour Tranquille, ça. tranquille. On est là Mais en je tiens à mode le bonne préciser, frérot, et je tiens à le ambiance. dire, que c'est une des seules personnes, frérot, qui a parlé sur mon dos, alors que je n'ai jamais été en embrouille avec lui, frérot. Il a fait ça le jour où j'ai perdu quelqu'un de ma famille. Ouais. Frère, serrez-vous la main, merde. C'est moi, t'as vu, c'est. Je donne la force Je à lui ai tout le monde, envoyé un c'est message pour son anniversaire, frérot. Nathan, je le connais, frérot. Ouais, moi, C'est c'est un un mec amour, ce gosse. que C'est un j'aime bien amour. aussi, tu vois. C'est un mec que j'apprécie, c'est un poteau, c'est la famille. J'espère un jour qu'il J'ai... pourra venir sur le Big Show, mais là-bas, non, on n'est pas là pour ça. On est là pour parler cannabis, on est là pour. T'as Tu compris. T'as compris, mais j'ai toujours pas de feu, frérot. Ça m'a connais. tué. Il n'y a pas de feu aux États-Unis ou quoi? Il n'y a pas. C'est Là, comment? y a pas de feu autour de moi, frérot. Attends, je vais essayer. Fais comme ça, là, comme la torche. En plus, t'es où? T'es en Californie? Il y a des super-héros chez toi, c'est les States. C'est une galère. Toi, c'est quoi on parle d'avenir du cannabis. Toi, c'est quoi les prochains pays que tu verrais légaliser le cannabis? Les prochains pays, Ouais. carrément. L'Espagne, c'est pas tout à fait légal, hein. Ouais. Non, c'est pas vraiment légal, mais là, j'ai vu que à Barcelone, il y a des gens qui parlent de qu'il y aurait des qui faire marche arrière Comment ça? en mode il y a des gens qui veulent faire marche arrière dans la loi, genre des élus qui auraient le maire ou je sais pas quoi qui veut faire marche arrière dans la loi. Ah, Watam. Suis trop content, j'ai trouvé du feu, gros. T'es bien, tu vas pouvoir fumer. Là, je suis bien là. Qu'est-ce que je te disais? Ouais, il y en a qui vont revenir en arrière un peu. Bah, Bah, il disait apparemment, à Amsterdam. Barcelone, apparemment, j'ai vu un article qui disait comme quoi il y en a qui se sont plaints, la mairie elle se plaint, ils veulent faire marche arrière un peu sur tout ce qui est club et tout. J'ai lu ça, tu vois, sur un article. Bah, c'est ce qu'ils ont voulu faire sur Amsterdam, frérot. Amsterdam, ils voulaient interdire uniquement pour les touristes et que pour les locaux. Ah ouais. Mais C'est ça, ce c'est qu'ils ont. impossible en vrai, frérot. Bah, gros, quand
t'as les députés, quand t'as les maires des villes, etc., qui se plaignent qu'il y ait trop de touristes, qui. Bah, frère, au bout d'un moment, tu sais, une loi, ça peut changer, hein, frérot. Tu sais, quand t'as une majorité de personnes d'accord pour ça. Bien sûr, bien sûr. Mais franchement, ça me paraît très fou quand même qu'ils fassent marche arrière dans un pays comme. T'as vu, à Barcelone, je pense que ça peut se faire. Je pense que c'est possible encore que ça revienne en arrière. Mais à Amsterdam, ça me paraît très compliqué. Tu vois, là, il y a un frérot qui dit qu'il y a de plus en plus de contrôle dans les clubs à Barça. Moi, j'ai lu un article qui disait ouais, qu'il y avait là, ça cassait pas mal les couilles au club. Et qu'il y avait des gens, frérot, qui disaient en gros comme quoi ils voulaient faire marche arrière, que ça faisait un mauvais tourisme pour la ville, enfin des élus, des trucs de merde, tu vois. Je suis tout à fait d'accord, frérot. Des trucs de merde. Je suis tout à fait d'accord. Mais... Sur certains points, frérot, mais quand une décision elle est prise, frérot, de préférence ne pas revenir en arrière. Moi. Surtout faire. Je t'écoute. Moi, personnellement, ça me paraît très incroyable. Puis ça me ferait chier parce que je me dirais que ça donnerait du pain et du raison, de la raison à tous les gens qui disent ouais, mais vous voyez que. Après, dans l'histoire, ça, c'est jamais arrivé qu'un pays légalise le cannabis et fasse passer ça illégal derrière ou quoi, tu vois ce que je veux dire? Il y a un mec qui dit impossible à réaliser, les gars, ils ont colonisé des continents, s'ils veulent interdire, ils le feront. Ils ont laissé faire. Bah ouais, frère, c'est vrai. Non, ça après. C'est sûr que s'ils veulent le faire, ils le feront, mais est-ce qu'ils auraient un réel avantage à faire ça? Est-ce que ils auraient un... Moi, pour l'avenir du cannabis, je pense pas qu'on va aller vers. On va pas rétrograder, je pense que ça va avancer. Ça m'étonnerait. Tu vois ce que je veux dire? Ça m'étonnerait fortement. Que ça revienne en arrière, tu veux dire? Ça m'étonnerait, frérot. Là, on est dans une montée, frérot, faut rester dans cette. Bien sûr, dans moi, je pense que. Je pense que, frérot, même en Thaïlande, tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont peur, il y a beaucoup de gens qui disent mais. Il y a beaucoup de commentaires, les gars, je vais même pas répondre, mais vous avez capté. On s'est capté, les gars. C'est bon? Voilà. Tous ceux qui ont commenté, je le sais, ma gueule, on s'est capté. Et il y a quelqu'un qui a mis un commentaire super intelligent. T'as dit comment, ref? Attends, je regarde les commentaires. Il y a un mec qui l'a. J'ai même pas, moi. J'ai dit un commentaire. Ofzaki, t'es un bon, mon ref. Et on reste sur le commentaire d'Ofzaki. C'est tout ce que j'ai à dire. Ok. Ok. Non, mais ouais, pour dire la vérité, frérot, moi, je pense qu'on est sur une bonne lancée. Je pense qu'on part sur quelque chose de bien. Je pense que le cannabis, il a des beaux jours devant lui, frérot. En tout cas, j'espère. J'espère. J'aimerais pouvoir, franchement, rentrer en France avec la coupe et la poser et faire péter la France. Tu vois ce que je veux dire, mon frérot? Amener la coupe à la maison, la première Cannabis Cup organisée en France. Ça serait incroyable. On arrive sur la fin, mon frérot. T'as un mot à dire, un dernier mot, quelque chose à dire à la communauté, à nous dire, à nous. Tout ce que j'ai à dire, c'est désolé pour l'absence, la famille. Cette année, on va revenir encore plus fort. On va revenir tout fort, comme dirait le grand A. Et on va essayer de pas vous décevoir, la famille. Voilà, on monte notre visage parce qu'on sait très bien, frérot, qu'on n'a rien à se reprocher. Et vous inquiétez pas, cette année, tous ceux qui ont été, on va dire, déçus de la part de Fred Génétique, bah. Ne vous inquiétez pas les frères, vous allez être saucés. C'est vous en premier qu'ils allez être mis en avant. C'est tout ce que j'ai à dire. Ok, très lourd. Bah, écoutez, moi, je vous remercie tous d'avoir été présents sur ce live. C'était l'épisode 6, si je ne dis pas de bêtises. Je me perds tellement. Avec le frérot Frenchy Génétique, j'espère que vous avez passé un bon moment, les frérots. Ça a été ça m'a fait plaisir de pouvoir te recevoir. Comme j'ai dit, je te suivais depuis le début. Ça me fait plaisir de pouvoir donner la parole à quelqu'un qui avait justement des choses à s'exprimer. Les gens, je pense qu'ils ont compris. On a fait un débat. C'était un débat. Merci à tous d'être toujours aussi nombreux à nous suivre sur les Big Shows. Ça va péter. C'était le Big A, Fit Frenchy Génétique, les frérots. Allez, prenez soin de vous. Et... Le Big Amo, les frères, ça bouge pas. Ça bouge pas. On est ensemble, mon frérot. Prenez soin de vous. Grosse force à vous. Et ça va péter. Ça va péter cette année, les frères. Ça va péter.